Et salut tout le monde, c'est Redkill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tenter d'avoir la meilleure évolution d'insecte possible. Pendant qu'une mouche arrête pas de passer devant moi là. Regardez là, elle est sur mon deuxième écran, juste là, là. Vous la voyez, elle est juste là. C'est incroyable ça. Donc oui, je disais, aujourd'hui, nous allons avoir des évolutions bien plus stylées je l'ai eu les amis. Non, c'est pas vrai malheureusement. Je t'aurai un jour, je t'aurai. Bon bah voilà officiellement ma vidéo avec la pire intro du monde. Cette vidéo s'appellera Redkill se bat contre une mouche. Donc allez, c'est parti donc pour découvrir ce nouveau jeu les amis. On va se battre contre... Oh, quoi? J'ai pas pu prendre les deux petites araignées là, pourquoi pas? Et à force de prendre des dégâts, à un moment ça passe plus. Donc je suppose les amis qu'avec notre petite fourmi, il va falloir manger les autres fourmis pour pourquoi pas avoir l'évolution qui va arriver d'ici peu. Regardez, le truc est juste en haut à gauche. Oh, on peut prendre la tornade ou pas? Non, j'avais l'araignée trop stylée, multicolore, mais malheureusement j'ai tout perdu à cause de la tornade. Faut bien tester. Allez, je prends ça. Let's go. Je l'ai donc maintenant. Wow. Ok, j'ai reperdu tous mes niveaux. Oh non, j'étais qu'en simple fourmi à la fin. Bon, ok, très bien, cette fois-ci on va se concentrer et on arrête de tester des choses. Donc apparemment les têtes de mort, c'est la monnaie du jeu qui nous permettront d'augmenter notre fourmi de base. Je vais dire souris. Non, c'est un peu moins bien qu'une souris quand même. Mais c'est stylé d'avoir une petite fourmi. Ça y est les amis, nous sommes niveau 2. Donc ça c'est parfait, on va pouvoir se battre contre les araignées niveau 2. Let's go. Ok, vivement qu'on puisse passer au niveau 3. Hop là, on prend la tête de mort, on prend la fourmi et on peut maintenant détruire. Oh, on dirait qu'on a un petit cœur sur les fesses. Attention à elle! J'ai failli me faire avoir. Ok, on peut maintenant passer à la suite. On va pouvoir passer niveau 4, les amis. Cette araignée est tellement classe. Elle est complètement folle. Non, je peux pas avoir celle niveau 5. Quel dommage. Mais en tout cas, on a la possibilité d'avoir un multiplicateur, les amis. Vu qu'on a pu aller jusqu'au x5. Et donc, on a gagné beaucoup d'argent. Et maintenant, on peut améliorer ma fourmi qui passe en araignée. Ce jeu est trop classe. Et la fourmi est toujours sur mon deuxième écran en train de regarder ce que je fais. Ouais, ouais, prends-en de la graine. Tu vas voir ce que c'est des vrais insectes, contrairement à toi. Bon, alors, comment ça se passe? Ah, je crois que j'ai mal commencé. Mais voilà, en même temps, c'est cette mouche, elle arrête pas de me déranger. Bon, ok, allez, vas-y, on recommence. Et on repart maintenant pour un meilleur niveau. Donc, c'est parti. On est niveau 2. On va pouvoir donc directement prendre les araignées niveau 2. Bon, par contre, les niveaux 3, c'est pas encore. Mais on va se mettre tellement bien quand on pourra les manger dès le début. Parce que franchement, on en a déjà raté 2. Ça, c'est pas cool. Et là, maintenant, on a la possibilité de les manger. Donc let's go. Let's go. Hop là. On va pouvoir manger celle-là. On passe niveau 4. Et malheureusement, on pourra pas avoir celle niveau 5 encore. On a toujours pas mangé de Miguel niveau 5. Mais c'est pas grave. On va pouvoir maintenant. Oh non. Oh, j'ai cru que j'allais passer niveau 5. C'est pas grave. Et hop là. On est passé donc presque au x6. Oh, l'araignée sur le x6, elle est incroyable, les amis. Bon, il faut qu'on collectionne un petit peu d'argent là. Un petit peu de tête de mort, les amis. Pour pourquoi pas avoir une meilleure évolution dès le début. Niveau 5, je peux pas l'avoir malheureusement. Niveau 6, encore moins. Oh. Oh, elle m'a touché, c'est pas grave, tout va bien. En tout cas, c'est la première fois qu'on découvre la niveau 6 sur le runner. Donc, bon, pour l'instant, je peux rien manger, hein. C'est incroyable, ils m'ont bien donné à manger, c'est fou. Est-ce que je peux passer au niveau 3? Heureusement, comme ça, je peux manger celle-là. C'est parti. Et malheureusement, record non battu, les amis, puisqu'on est que niveau 3 et on va peut-être pouvoir faire le x4, x5. Ok, x5. Et on a encore un petit peu d'argent, on passe directement. Oh, on passe maintenant au niveau 3. Oh, mais c'est tellement efficace, dès que t'as 20 têtes de mort, en fait, tu peux passer au niveau suivant, donc ça, c'est complètement fou. Donc, à nous d'en profiter. Alors, oh. Celle-là, je peux pas la manger. Oh, mais là, c'est trop ouf qu'on puisse manger directement le niveau 3, les amis. On va se retrouver un... Mais c'est... What? Mais c'est une araignée de ouf, le niveau 7, là. Oh, ça m'a fait rater un truc. Et en plus, je me suis pris la tornade. Attention, niveau 5, on peut pas l'avoir. On prend la fourmi et hop là, on peut avoir que ça. Non, il y a la petite dernière et c'est bon. Niveau 5, les amis, malheureusement. Oh, on a pu avoir celle de niveau 6. Et on a encore assez d'argent pour passer niveau 4 dès le début. Et malheureusement, on peut pas manger celle de niveau 5. Hein. Mais les niveaux sont de plus en... Aïe, 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 aïe. Non, elle m'a touché. Bon, c'est pas grave. J'ai quand même récupéré ma forme. Laisse-moi passer. Oh, attention. Ok, c'est bon, ça va. Mais les araignées niveau 8 sont incroyables. Mais je peux passer là ou pas? Elles vont me défoncer. Non, c'est bon. Je sais pas comment j'ai réussi à passer. Elles avaient des pattes de fou. Quel dommage de ne pas être niveau 6 là, les amis. Parce que je me serais régalé. J'ai raté la fourmi. C'est incroyable ça. Bon, c'est pas grave. Attention, on passe là. On peut manger celle-là. Ok, on va pouvoir manger. Et on va pouvoir passer niveau 6, les amis, pour la première fois. Let's go. On a l'araignée verte. La plus classe pour l'instant qu'on ait vue. Oh, mais l'araignée noire, elle est classe aussi. Hein. Waouh, j'ai failli prendre un coup, mais c'est bon. Allez hop, on bat le record évidemment. On passe maintenant au x8 quasiment. On est mort face au x8, mais bientôt on va pouvoir manger. Donc allez, on a la possibilité de commencer directement au niveau 5 maintenant. Donc là, on se met bien. Malheureusement, je peux pas manger, c'est le niveau 7. Oh, elle est tellement stylée, le niveau 7 aussi. Alors, hop là. C'est laquelle, les amis? Dites-moi dans les commentaires, quelle est votre araignée la plus stylée que vous trouvez la plus stylée dans ce jeu. Moi, il faudrait que je les re-regarde, mais je sais pas trop pour l'instant. Hop là, attention. Attention. Aïe. Eh bah, c'est pas grave, je peux terminer niveau 7. Let's go, on a terminé niveau 7 et on peut taper. Oh,
C'est celle-là ma préférée. C'est celle qui arrive juste après, les amis. Elle est incroyable. Laisse-moi passer, laisse-moi passer. Aïe. Bon, bah là, depuis le début du runner, là, j'ai coupé au montage, mais il y avait rien en fait. Il y avait absolument rien. J'ai rien mangé, mais c'est bon. Je commence à me rattraper. En fait, le truc, c'est qu'il y a même une petite fourmi à niveau 1, elle donne autant qu'une araignée niveau 3. Donc, ça, c'est cool. Hop là, à droite, à droite. Elle m'a pas touché. C'est bon, tout va bien. Allez, on se fait bien. Oh là là, la niveau 8. Elle est trop classe. Allez, on passe même au niveau 9. C'est officiellement mon araignée préférée, les amis. Elle est incroyable. Et on va pouvoir passer le niveau 10. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais elle est trop stylée. Elle est incroyable. Hop là, c'est parti. Est-ce qu'on va pouvoir aller taper le boss, les amis? C'est parti. Attention. Bam. Let's go. Le combat contre le boss. Bam. Oh, trop stylé. On lui envoie des flammes et bam, on l'a défoncé. Bon, allez, amis, on a eu toutes les araignées disponibles dans ce jeu, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, cliquez sur notre vidéo qui s'affiche sur votre écran, et maintenant on commence niveau 7. C'est complètement fou. Bye tout le monde.